Kolo, soki batoko tuna angolu pe bolingono ezali wapi? Na komelibanda konganga pe kotato la yeti nazali elembo ya angolu pe ya bolingono yo. Haleluya!
Noko. Maître Mokangol. Yo le voyez que comme un Ongol. Ça dit aux Amakasi. Mais tant les tiens, tiens, que Ngolumburu meurt à Kalelal. Ça dit ma casse à Moutumoko et aussi Maté. Pour le voyez sous ce nom, Ipanga, de l'autre Mbeli, de l'autre Mbeli et Koumakamouké, de Sengeli, tous Arabes sont ensemble. Tala lelo tukutane ensemble na bana na bakoko samoja et samo e bonsa cimetière sima ngemi pengol ngo yaja ke bibi la ferika ngo famille la mpile kalanye famille kerinjina le kyoso ti baniti ati libi ngo bi ko frangete ngwa banti ba ki ba. Le coup de la chose, dîner dans ces salles gagnées pour l'impile et la dîner pour mon rôle. Merci. Chaque fois que je rencontre des gens, dès qu'ils savent que je suis ton fils, les cœurs s'ouvrent immédiatement. Que tout le monde a gardé un très bon souvenir de toi. Et plus qu'un bon souvenir, beaucoup de respect. Ça, c'est un héritage qui n'a pas de prix. Effectivement, quand je lis sur ta tombe ce passage du Nouveau Testament, de 2 Timothée chapitre 4, du verset 2 au verset 8, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Effectivement, papa. Effectivement. Ce n'est pas toi qui me l'as dit, mais c'est ce que je constate. Effectivement, tu as combattu le bon combat. Effectivement, tu as lutté pour la justice. Effectivement, tu as mérité ta couronne. Quel bel exemple tu nous as laissé. Quand tu étais là, avec nous ici, de ce côté, c'est vrai qu'il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas se rendre compte. Mais tu as fait du bien à tellement de monde, à tellement des gens que je ne connaissais pas et qui viennent me raconter ce que tu as fait pour eux. C'est incroyable. Cet héritage-là n'a pas de prix.
Ça, c'est ce qu'on appelle un très bon héritage. Un très bel exemple. Nous avons inscrit tes phrases préférées telles que « To God be the glory ». Tu souriais toujours quand on parlait de ça et tu me demandais « Mais on dit ça comment ?»« Glory to God ?» Et c'est moi qui t'avais dit la meilleure expression, c'est « To God be the glory ». À Dieu soit la gloire. Maintenant, cette gloire de Dieu, tu la vis pleinement. Nous, on la connaîtra réellement que quand on aura peut-être la chance de te rejoindre. Parce qu'on nous dit que ce n'est pas tout le monde qui verra la gloire de Dieu. Mais toi, c'est sûr que tu l'as mérité. Et tu disais également, chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Aujourd'hui, je fais partie de ces dirigeants. Je ne suis pas du tout satisfait de ce qui se passe. Mais ici même, je t'avais fait la promesse que nous allions continuer ce combat. Et nous allons continuer ce combat jusqu'à la dernière seconde, jusqu'à l'atteinte de l'objectif. Il n'y a personne qui va nous décourager, nous stopper, nous arrêter. Nous atteindrons l'objectif, peu importe le temps et le prix que ça prendra. Maintenant, il y a le royaume. Il y a tous ces chefs de groupement. Chacun fait un peu à sa sauce. En oubliant que c'est uni que nous allons représenter quelque chose. Et ça, c'est le travail que... Et je sais que tu m'aides beaucoup, parce que je vois le résultat. Si nous ne pouvons pas reconstruire le Congo, au moins que nous puissions laisser un exemple pour le royaume. Qu'on puisse laisser quelque chose. Ou si l'on voit ce pays dévasté, pauvre, désorganisé, que l'on dise le royaume banquier, c'est pas ça, c'est autre chose. Ces gens-là sont différents. Ces gens-là ont fait quelque chose d'extraordinaire, d'impossible et d'inattendu. Est-ce qu'on y arrivera? J'en sais rien, mais on y travaille. Pour y arriver, et je suis sûr que tu aurais été d'accord avec moi, il faut entrer dans le système. Il faut travailler de l'intérieur. Il faut gagner de l'intérieur.
et s'imposer de l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, regarde toi-même, il n'y a rien. Il n'y a même pas d'opposition. Il n'y a rien. Le peuple, il ne veut pas se battre, il est fatigué, il est pauvre, il est désabusé, il n'a plus confiance. Donc c'est bien à l'intérieur que je dois mener ce combat. Donc le combat, il continue, papa. Et puis à la famille. Je suis tellement fier de mes frères, mes sœurs, mes cousins, parce qu'ils sont très courageux. Ils sont très courageux. Chacun se bat et je sens que chacun veut que la famille reste soudée. Chacun fait ce qu'il peut. Je sais aussi qu'il y a beaucoup d'attentes à mon égard. Je fais ce que je peux et j'espère pouvoir faire toujours un peu plus. C'est vrai que je ne vais pas souvent à ma télé. Mais même quand j'étais là, je ne venais pas souvent. Parce que, évidemment, j'ai beaucoup de charges et de travail. Mais je crois que Maman Lé qui le sait, tous les jours, ils sont dans mon cœur et dans mes pensées. D'ailleurs, Prince est toujours avec moi. Tous les jours. Donc, quand il y a quelque chose, il peut le dire aux autres. Et quand il y a quelque chose là-bas, il peut me le dire. Donc, je suis là. Maintenant, je me présente au Sénat, papa. Je suis sûr que tu auras approuvé. Sur qui compter? Bon, j'ai eu plusieurs députés provinciaux qui disent qu'ils vont me soutenir. Je suis sûr que tu les connais parce que la plupart me connaissent. Je fais ma part. Je suis sûr que tu travailles déjà. Il y a ton ami Bahati qui est toujours à la tête du Sénat. Mais je suppose qu'il ne va pas rempiler. Mais je crois qu'il va rempiler au niveau du Sénat parce qu'il a eu un certain nombre de députés provinciaux qui ont été choisis. Je ne crois pas qu'il voudra laisser son poste de président du Sénat pour se contenter d'un simple poste de ministre. Je crois qu'il va rechercher soit de rester là où il est ou de prendre la tête du gouvernement. Mais ce qui est sûr, c'est que lui et moi, on va devoir se côtoyer. Mais grâce à toi, je sais à quoi m'attendre. Je sais vraiment à quoi m'attendre avec lui. Tes amis sont toujours là, à côté de moi. Le bâtonnier Mbouyou est vraiment quelqu'un qui était ton ami. Vraiment. Je l'aime beaucoup, il m'aime beaucoup. Il est loyal et il est toujours présent. Pour le vieux, le bâtonnier Mbou, j'ai essayé plusieurs fois de l'appeler, ça ne passe pas, j'ai envoyé des messages. Jusque-là, je ne l'ai pas encore vu. J'ai peur qu'il lui arrive quelque chose et que je ne le vois pas avant qu'il ne passe te rejoindre. Donc je fais de mon possible pour le rencontrer. J'ai même envoyé un mot il y a 2 jours à son fils John. Donc, je fais tout pour le voir parce qu'évidemment, c'est quelqu'un qui était très proche et donc il faut que je le voie. Au village, je crois que là, tu es au courant de tout. Là, vraiment, on
fait beaucoup de choses, de bonnes choses. Et tout le monde est content. Mais ce n'est pas suffisant, je sais. Parce qu'il y a beaucoup de besoins. Mais là, au moins, on agit. On agit, on fait des choses. Alors, on m'a reproché. On m'a dit, toi, tu ne t'occupes que de Kidzouem. J'ai dit non, je dois commencer quelque part. Donc je dois commencer là où on me connaît, là où je connais quelque chose. Kidzouem, c'est la capitale. Donc il faut que je commence par là et puis on va faire pour les autres. Je ne sais pas si tout le monde m'accepte comme ça, mais c'est ce que je leur dis et c'est comme ça que je m'y prends. Les plans ont été faits. Il y a 3 jours, j'ai signé avec le président. C'est la première fois que notre province va recevoir autant d'argent. C'est bien sûr un processus, mais au moins on a signé. On va essayer d'utiliser cet argent pour la bonne cause. Créer de l'emploi, l'agriculture, les routes, on a déjà commencé les routes. J'ai demandé à la famille, ceux qui sont à Kinshasa, je leur ai dit, venez là-bas parce que là-bas, il y a du travail. On a besoin de vous. Jusque-là, je n'ai vu personne de Kinshasa venir. Mais on va être patient. Parce qu'il faut avoir un grand cœur et on va les laisser venir progressivement au fur et à mesure qu'ils entendent que les choses là-bas, ça change et qu'il y a des opportunités. On va attendre. On m'a donné un grand terrain à côté du crâne de Mfumongol et nous allons construire là-bas, du voulons, au mois d'avril, une maison à 6 chambres et on va essayer de le rendre assez habitable pour que, quand on y va, on puisse travailler correctement. Ça va être un premier pas. Et puis, on a construit, j'ai fait construire la nouvelle maison du chef Kobo. Il est très content, tout le monde est très content. Parce que c'est grâce à lui que tout s'est bien passé. Donc, quand il y a eu le besoin, avec la pluie, il fallait lui construire quelque chose. Dieu merci. À ce moment-là, j'avais les moyens pour construire. Il y a André toujours à côté de moi. Et à chaque fois qu'il a des problèmes de santé, avec ses yeux, je suis là pour payer les frais médicaux, pour lui envoyer de l'argent. Séraphin s'est rangé. Il est revenu là où il doit être. Il n'y a plus de problème. Donc la famille est soudée. Il n'y a pas de problème. Aucun problème. Même le vieux Boulukungu, même lui, il est venu me demander pardon. Et je travaille avec lui, bien sûr, avec beaucoup de prudence, mais lui aussi, il s'est rangé. Donc, il n'y a que de bon. Le vieux Tantoumé aussi, lui aussi, il collabore. Donc, pour le moment, ça va. Mais on reste toujours prudent, papa. On reste toujours prudent. Voilà un petit peu, en gros, ce qui se passe. Et le merveilleux travail que les petits frères ont fait. Quand on vient me dire félicitations, quand on voit ça, je leur dis félicitez plutôt les petits parce que c'est eux qui ont organisé tout ça. Nous, on n'a fait que contribuer, mais c'est eux qui ont organisé ça. Donc ils font quelque chose d'extraordinaire. On est très fiers d'eux. Alors, au sujet de SEDA, ben, j'ai été très surpris parce qu'on me dit que ton cabinet à Bandounouville fonctionne toujours. Avec le doyen Koto. Odon Koto. Le cabinet fonctionne toujours. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu régler le problème de SEDA au travers du cabinet. Donc j'ai demandé que le doyen soit en communication avec moi. En tout cas, je serai moi-même à Bandundu vers le 24, euh, le
le 23, le 22, le 24 février, je vais rester 2 semaines là-bas. Donc je vais pouvoir moi-même sur place suivre ce dossier de CEDA. Et je n'ai pas compris pourquoi est-ce que ce problème n'a pas été réglé alors que ton cabinet est toujours opérationnel là-bas. Donc on va voir ça de près. Rachel est là. Yancy est là. On est tous là. Je crois qu'on a trop de conversations tous les deux, donc je ne vais pas rester. Je suis resté assez longtemps. Mais il fallait que je te dise quelque chose. Alors, je vais laisser Willy. J'allais presque utiliser le terme mon bras droit. Et c'est lui qui va faire la prière. Dieu éternel, Dieu puissant, depuis que tu as fait sortir ton ami Lazare du tombeau, le tombeau est devenu les lieux de notre transition vers toi. Nous voulons te confier notre Père. Il reste éternellement près de toi et de là-haut qu'il nous obtienne toutes les grâces dont nous avons besoin, qu'il nous accompagne et que ta protection à travers lui nous accompagne toujours. Que ce moment soit pour nous non pas un moment de pleurs, mais un moment d'action de grâce pour ce qu'a été la vie de notre papa, pour sa présence et pour son impact, son influence dans la vie de beaucoup de gens. Une sagesse dit, la meilleure façon de pleurer une personne, c'est de continuer le travail que cette personne faisait. Que la grâce du Seigneur nous accompagne toujours pour que nous puissions continuer le travail que tu avais commencé. Nous avons ainsi prié le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Papa, on est les kinéni. En tout cas, les kinéni, qui m'a dit, on est au
posé Pierre de mal à papa. En tout cas, les gens qui m'ont dit, en tout cas, maman belle Lili Makasi, que ce soit Monica, mon gars, 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 Moi, à possible.
Ah, that's...
Thank you.
Thank you.
Thank you.